Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, sous l'épisode de Robocraft, chers amis. Et j'ai la voix qui part en couille déjà, dès le début. Donc j'ai légèrement modifié les aspects du son, j'ai remis des armes à ce robot. Bref, j'ai fait plein de petites choses. À vous de me dire si le son est meilleur. Ce robot risque de disparaître dans les confins de l'oubli à un moment ou à un autre, hein, je le précise. On verra bien le moment venu, mais pour l'instant, je le garde. Et on verra bien vraiment quand nous aurons pris la peine. Hop. D'aller un peu plus loin. Alors actuellement, il nous faudra un sniper efficace. La plupart des snipers efficaces sont des snipers rapides à mettre en action, ce qui fait qu'ils sont assez fragiles. Pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Hop, et de 1. Hop, il tire tous les 36 ans, par contre, faut le rappeler. Le sniper. Tu me heal ou pas? Quelqu'un veut bien me healer. Hop. Dommage. Il va nous falloir un power booster si on veut mettre un sniper là-dessus, je pense. Ok. Ok, c'est bon. On les fait reculer petit à petit. Hop. Voilà. Pouf. Hop, c'est con. Hop. Alors Wally? Oh! Ce lag! Oh! Hey! Voilà, bouffe! Oh, t'as du bol que ton pote vient de s'asservir de bouclier humain! Boum, touché! Ok, touché! On tire vraiment pas, et la quantité de dégâts que fait cette arme par rapport au tir qu'elle fait n'est vraiment pas correcte. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive par derrière. Au niveau de cette cave, c'est toujours une bonne chose de pouvoir s'y attendre. Prenez la tour. C'est sérieux là au niveau de la quantité de dégâts que je fais. Oh putain. Hop, ils en ont eu un. Hop. On va essayer de se mettre sur une position où on pourra sniper un peu. Voilà. Raté. Hop là, je l'ai eu. Ah, quelque chose me tire dessus. Hop. Retourne voir ta maman. Ok. Oh, quel dommage.
Hop les. Hop. Ça se passe assez bien. Hop. Je suis pas tout seul, ce qui est une bonne chose. Excuse-moi, l'ami, je sais que je t'embête là, mais. Vas-y. Ça m'aurait fait mal que ça touche. Hop. Il est dedans ou à l'extérieur? Ah la vache. Hop. Merde, je tire pas. Je tire trop souvent, chers amis, c'est pas bon. Oh. Bah les dégâts que j'ai fait là, normalement. Merde alors. Est-ce que nos potes vont réussir à reprendre l'autre tour? Telle est la question. Hop. C'est pas grave. Dégage. Ok. On couvre bien notre zone, c'est parfait. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Voilà. Ça farme le spawn. Non, rien par là. Ennemi ici. Hop. J'essaie de couvrir notre ami, mais ça va être compliqué. Quoi? Comment il me fait pour me viser à travers le mur? Dégage. Que quelqu'un peut tirer dessus. Ouais, là je vais prendre très très cher. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon. On s'en sort pas trop mal. Mais effectivement, ces snipers sont pas efficaces. Hein. Ils font pas suffisamment de dégâts comparé aux tirs qu'ils font. Au nombre de tirs et à la puissance de tir aussi qu'ils ont. C'est assez vexant. Je pense qu'on devrait partir sur le même principe qu'il y a eu pendant un temps. Je crois que c'était au tout début du jeu. Où il fallait charger le tir en fait au niveau du snipe. Tu pouvais charger le tir, le maintenir chargé. Et ensuite le lâcher pour faire une quantité de dégâts complètement différente. Et je pense que c'était une bonne façon de faire. Ça correspondait à la respiration que prenait un sniper réel. Vous savez, la respiration classique hein. Donc là il va nous falloir du monde ici là. Et voilà, j'ai tiré mes 3 tirs. Hop. Quoi? Voyez l'ineptie du truc. C'est que le robot est minuscule. Normalement les tirs que je fais avec mes snipes sont des tirs pénétrants hein. C'est à dire qu'ils sont normalement censés faire un trou dans l'adversaire. Et il n'y a aucun trou de réaliser. Je lui ai enlevé des bouts et ça n'a pas fait de trou. Donc voilà le véritable problème du sniper. Normalement le dernier sniper qui tire le moins possible devrait pouvoir faire un trou à travers tout le robot. Voilà, c'est ça le principe. Pas forcément buter une pièce genre une arme ou n'importe quoi.
mais un peu à la manière des proto-seekers qui font beaucoup de dégâts sur les armes, les snipers devraient faire beaucoup de dégâts sur les cubes, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui est déjà implémenté dans le jeu comme étant une particularité. Oh! Et les mecs là? C'est pas que ça pue du cul, mais. Mais cherche pas à voir le dernier, putain! Qu'il est con, on va perdre à cause de lui. Hop! Ah oh bah oui, bah bien. Bien les mecs. Rush time. Moi je veux bien couvrir une zone, hein, mais alors là, va falloir être bon. Falloir être bon, les amis. Hop, ils arrivent. Hop, c'est... Ah quoi? Quoi? Bon. Bon. C'est la haine. C'est la haine, chers amis. Oh, la gueule. La gueule. J'aurais eu un diamant. Mais non, je vais me taper juste un bronze. C'est génial, je vais aller me couler un bronze. Ça y est. Wouhou, c'est quoi qui est dedans? Du caca! C'est quoi ça? Oh la gueule! Ah, et. Attention, chers amis, attention! Quand je dis non, c'est non! Si ça continue comme ça, chers amis, ça va être dans le prochain épisode, je vais annoncer que si vous m'invitez en platoon, c'est suppression de la liste d'amis. Ça va être comme ça, hein! Hop! Ou alors sinon je mettrai juste un petit cache là et vous verrez rien. Je mettrai un petit truc du montage vidéo et vous verrez même pas votre nom. Mais sur le principe faut arrêter. Mais je pense plutôt que non, je vais arrêter sur le principe où ça va être le plus punitif possible. Ça vous fera peut-être arrêter vous. Ok. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode je pense. Ou alors on repart dans un petit battle arena vite fait dans un team deathmatch. On part dans un team deathmatch. Allez hop, c'est parti, on y va. On va pas être bon hein. Écoutez, on verra bien. Et l'heure. C'est parti. Des jolis, dis donc. Hein. Il y en a des jolis. Ok. Non, apparemment, c'est pas par là qu'ils ont envie d'aller. Ils ont plutôt envie d'aller dans le traquenard par là. Ah. Ok. Ok, faut quand même qu'on touche les ennemis. Pas mal. Hop, il y a une plus grosse cadence de tir. On va essayer de le surprendre. Putain, ils se sont barrés. Hop. Je rappelle qu'il faut rester en vie. Merci.
Hop. Ils veulent pas nous tirer dessus, du coup j'attends de déclencher mon... Heal-moi. Hop. Heal-moi. Heal-moi. Putain. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on heal. Il est tout seul. Hop. Et de 1. Comment ça, je l'ai pas eu? Ah non, il n'y a plus le compteur de kill qui apparaît. Hop. On voit un partir par là-bas. Je me suis peut-être trompé. J'espère que c'est pas chez nous qu'ils prennent le... Qu'ils prennent le point. Ok, non, c'est chez eux qu'on prend le point. Je confonds toujours en fait le principe de base. Hop, pas grave. Là. Hop. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné. Hop les. Qu'on est resté en vie jusqu'au bout. Donc potentiellement. Et on est le meilleur joueur. On a notre première caisse protonium, chers amis. Techniquement, on l'a. On a le premier protonium. Cette fin d'épisode, génial. Bravo à nous, chers amis, bravo à nous. On a notre premier protonium crate. Wouah ! Est-ce qu'on a du bol ? Ça veut rien dire. Hein. Rare, une pièce géniale. On a que ça. On a que ça. Oh putain. Cette haine. Cette haine. Bon, c'est pas grave. Bon, et bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus à la Playroom. A plus pour votre aventure. Et non, je vais répondre à l'un d'entre vous, chers amis. Vous m'avez demandé d'uploader tous mes robots. Marcus Bonus Ski. Je vais donc le faire. Vous m'avez demandé de les uploader. Ah ben il est déjà, je crois. Ah non, d'accord. Marcus Bonus Playroom. Hop, voilà. M'avait demandé d'enlever toutes les armes. Je pense pas que je vais les enlever. Sur le principe, c'est mieux vous ayez les comment le type actuel d'armes. Hop. Utiliser sur le robot, je trouve ça mieux. Même si pour vous, ce sera certes moins cher. Hein. Mais le but, c'est quand même que vous me filiez un coup de main. Eagle. Donc vous n'aurez plus qu'à mettre Marcus Bonus. En tout simplement en nom dans le shop. Et vous trouverez ce que vous cherchez, chers amis. Donc voilà, j'en ai mis 3, 1, 2, 3. Celui-là je peux peut-être le mettre aussi. Maintenant que le cosmétique c'est pas si cher. Marcus Bonus Mec MK1 YouTube, hop. Marcus Bonus Playroom, hop. Voilà, et hop. Voilà. Voilà.
Et bah écoutez les amis, on se retrouve à plus, on se retrouve dans le prochain épisode, à plus. Et bien sûr, j'arrive plus à faire mon outro. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est Marcus Bonus à la Playroom, à plus pour votre aventure. Salut les gens. Et hop, voilà, on reprend le truc classique.